Thank you.
up so you can stand up straight. Break it down and then create. Strip your soul to the essence. Miss the world with your presence. Learn everything. Strip your soul to the essence. Miss the world with your presence. Learn thank you.
Bonsoir. Je vous inviterai à prendre place et à couper la musique. Ah, voilà. Ah, et maintenant, je ne vois plus rien. Tout est super. Donc, waouh, c'est merveilleux. On manque de chaises. C'est mon plus grand rêve, manquer de chaises dans un événement.
Donc, tout d'abord, pour ouvrir ce symposium, je vais inviter Denise Desautels à venir vous lire quelques mots. Un petit peu haut, je pense. Bonsoir. Donc, c'est un texte que j'ai écrit pour Françoise à l'époque, il y a déjà une quinzaine d'années, mais je crois que c'est un texte qui continue enfin, de tenir la route en ce qui concerne le travail de Françoise. Je l'avais fait pour une expo qu'elle avait à la Galerie d'art du Centre culturel de Sherbrooke, où on s'était rendu en voiture, en pleine tempête de neige. Ça avait été magnifique, mais il fallait être faite forte. Superbement verticale, avec exergue de Nicole Brossard, « Il faut des urgences pour ne pas mourir, pour passer dans le clan des sirènes et des aurores boréales. » Gestes, corps, solitude, silence, et leur répétition. Geste, peindre comme danser, sauf le frottement du pinceau contre la toile, des chaussures contre le sol, du vêtement contre la peau, contre le muscle, contre le cœur, de la pensée, corps à corps avec l'étonnement, contre le désarroi. Légèrement, par à-coup peut-être, le mot tambour, ses peaux tendues, écho, geste, corps, solitude, silence, écho, espoir supplémentaire, le choix, l'écho, agrandir l'air du lieu, de tous les lieux, l'air du désirable, peindre, guérir, guérir, guérison de la blessure, dis-tu. L'œil vif, l'âme, l'œil à la hauteur du vent, virtuelle la vie, truquée, de toutes parts je m'interroge, à quoi pense le corps quand il peint? L'épaule, le bras, le pinceau et l'espoir prend forme, prend élan, plonge dans le bleu, le rouge, l'ocre, tourne, tourne. Soudain se soulève, tant d'air et de solitude alentour, s'éloigne soudain du corps dansant. L'épaule, le bras, le pinceau, et l'espoir soudain improvise, projeté vers, sur l'ample mur, y pénètre, s'y enfonce l'espoir. Là où le mystère resterait mystère, quelque chose d'irrépressible, venu du dedans, du dehors emmêlé. C'est difficile à dire, ce qui ne s'entend ni ne se voit ni, sauf l'alarme en soi, à tout moment probable, le rappel en soi du vide, du rien, ou la montée en soi de l'insoupçonné. Geste, corps, solitude, silence, écho. Est-ce que le monde qui continue de battre fort, de se renverser, le monde là-bas, loin, ailleurs, qui s'acharne, le monde brouillon, le monde intranquille, son dégât, sa blessure, son cri nécessaire, nécessaire mais indistinct, mais éclaté, est-ce que le monde s'immisce ici? Est-ce que, étrange porosité des murs, des fibres, des pigments, des remous, du regard, vois cette extrême clarté, extrême blancheur des fenêtres. Or, iris et rétine résistent, luttent contre le flou de la sensation, retiennent couleur, douceur, douleur, tandis que ressurgit la blessure. De siècle en siècle, écho, blessure et regard, leur sombre métallique, mécanique au ralenti. La blessure écoute plus finement la douleur que l'oreille. C'est Aaron Appelfeld qui le dit. Blessure et regard, plus finement la douleur. Et toi, toi, clairement du côté de la deuxième sorte, vers la rédemption, dis-tu. Mêlant ta voix
à celle d'Anish Kapoor, toi dans l'histoire, l'histoire autour de toi, toi, ta propre histoire, toi debout, prenant les devants, jouant le tout pour le tout. Incroyable, présente, future, là, superbement verticale. Toi, et tu danses, peins, pleures parfois, ris parfois, invente, sculpte souvent. Toi, et tu t'insurges, et tu réclames, et tu chevauches animaux, rituels, plantes et continents. Toi, debout, vivante, incessante, les paumes dressées, côté rédemption. Tandis que, parmi tout ce vent humain, moi, clairement de l'autre sort, la première, dans la blessure même, en plein dedans, baignée, mélancolique dans un gant, moi, mauve, vacillante, inachevée, risquant à tout moment de me noyer. Accident, fuite, suffocation, peu importe. Plaies plurielles, petites et grandes, proches et lointaines, sur blouse et rythme lent. Or, toi, contre le désenchantement, toi, côté futur. Est-ce que le bleu, par exemple, est-ce que le bleu risque de rendre plus lisible, plus humaine, plus apaisable la douleur? Jusqu'au bout de l'attente, des nuques en sursis, solitaires. Gestes, corps, solitude, silence, tambour, bleu. Est-ce que le rouge, cet immense rouge, le tien, rouge folie, rouge fougue, rouge rythme, musique qui déferle. Phrase, cadence, coulée, rêve, rouge incandescent. Et ton œil le soutient, l'éprouve, le fait danser. Est-ce que ce rouge-là a partie liée avec, disons, éblouissement, guerre, vertige, mort, rédemption? Plaisir, paix, mémoire, métamorphose, meurtre, exigence, remous, souffle, siècle, ossature, architecture. Partie liée avec assaut, visage, plaie, histoire, énigme, consolation, exil, livre, clameur, fête, infaillible fête. Peinture et poésie. Paul-Émile Bordua et Paul-Marie Lapointe, 1948. Ceci se passait avant la rédemption, écrit le second. Puis plus loin, il écrit encore, nous allions aborder le futur de cristal, le palais de chaque espoir, de chaque moire. Ou encore, je suis une main qui pense à des murs de fleurs, à des fleurs de mûres, à des fleurs mûres. Peindre comme écrire, la tête qui bat, bat, pleine de voix irrésolues, irrésistibles, voix vivantes, quotidiennes, angoisse, fatigue, fracture, confidence intime, guerrière, l'ébauche barbare se fond dans une vive éternité. À grande vitesse, l'impatience, corde tendue, tambour, voix seconde, autre, métamorphosée par les événements, travail, forme, matière et moi, profondeur. Après la dernière seconde, de l'autre côté, la bonté nous attend au tournant. Notre lent voyage, lent séjour, lent désert laissé au hasard. Voix seconde encore, mobile, mortelle mais souveraine, station assise ou debout, bibliothèque de Berlin, scène, corps urgent, bourdonnant, corps inouï. Cette langue sera de l'âme pour l'âme, écrivait Rimbaud en 1871. Tu es, nous sommes là, séjournons lumineuses, éphémères, là. En effet, où sa vie,
tremble, espère, imagine, aime, ose, ose grand, ose vaste, plus grand, plus vaste que soi, là. Ouvrir, aérer, pénétrer, voir. Une seconde chance se pointe à l'aube. Terre, ou plutôt attendrir le noir, le dépayser, le bercer, le revoir autrement, noir tendu, éclatant, le dénouer, soulever haut l'angle gauche du tableau, survie, incendie. Et c'est la mer qui monte, monde, en vagues rouges, bleues, ocre. All over la mer, comme la lumière, all over. Merci, Denise Desautels. C'est très intimidant de prendre la parole après vous. C'est dit. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vos mots seront influencés et, porter les artistes pendant tout le mois de création qu'ils ont devant. Donc, j'ai des salutations à faire. Je veux tout d'abord saluer M. Gaston Duchesne, maire suppléant de Baie-Saint-Paul, Mme Françoise Sullivan, notre présidente d'honneur pour cette 41e édition, les représentants de nos différents partenaires et collaborateurs qui sont ici présents parmi nous, merci beaucoup de votre support, les membres du conseil d'administration du musée, les artistes participants au symposium, ainsi que vous, chers invités. Vous direz que c'est trop bas. Oh! Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je me présente, Gabrielle Bouchard. Je suis la directrice générale et conservatrice en chef du Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. C'est un moment particulièrement spécial pour moi de chapeauter un premier symposium à titre de directrice, puisque j'ai d'abord été guide du symposium en 2011, pour ensuite en être la coordonnatrice de 2012 à 2014. Donc, c'était dans le temps de l'aréna. C'était dans le temps où les criquets entraient à mi-parcours et assuraient un fond sonore dans l'aréna pour toute la durée de l'événement. Et c'était dans le temps des chics bancs jaunes qui entouraient les créations des artistes. C'est vraiment le sympo qui m'a introduite au monde des arts visuels. Bien que le temps ait passé depuis, l'affection que j'ai pour cet événement, elle, ne tarit pas. Elle est aussi forte aujourd'hui qu'à ma première journée, il y a 12 ans. Le symposium souffle aujourd'hui ses 41 bougies. Il a su devenir, avec le temps, un incontournable du paysage culturel, sans cesse réinventé par les propositions variées des artistes qui y participent. Nous espérons de tout cœur que ce mois favorisera des rencontres fécondes entre les perspectives des artistes, uniques, riches et diversifiées, et la sensibilité du public, invité à observer le monde autrement, à le redécouvrir depuis une multiplicité d'angles et de points de vue. Je dois vous avouer être extrêmement touchée et émue d'être ici, entourée de deux très grandes femmes artistes que j'admire profondément depuis, disons, que je suis dans le milieu des arts. Vos carrières sont inspirantes et impressionnantes, et vous êtes des modèles de liberté créatrice. Merci d'avoir pavé la voie. J'aimerais maintenant inviter M. Gaston Duchesne, maire suppléant de la ville de Baie-Saint-Paul, à venir vous adresser quelques mots. Comme Gabriel le disait, difficile d'intervenir après une telle parole. Je vais saluer Mme Françoise Sullivan, présidente d'honneur, Denise Desautels. Félicitations, c'était merveilleux de vous entendre. Gabrielle Bouchard, directrice, bien sûr. Madame Beauchemin, artiste peintre, je crois qu'il y en a quelques-uns parmi nous. Je m'en voudrais de ne pas saluer mon ex-maire, Jean Fortin, avec qui j'ai œuvré pendant plusieurs années. C'est un fidèle compagnon et un fidèle bâtisseur de notre communauté. Salut Jean particulièrement. Distingués invités,
Premièrement, M. le maire, Michael Pilote, se joint à moi pour vous saluer tous et toutes. Il est présentement en vacances bien méritées. Comme vous le savez, dans notre communauté, on a eu quelques petits désarrois ou quelques pépins. Et présentement, il profite de ses vacances où il est à la pêche. Et oui, déjà un 41e symposium. Pour moi, c'est un exploit et c'est toute une aventure. Au cours de toutes ces années, beaucoup d'artistes y sont passés. Le symposium, c'est une exposition évolutive où les visiteurs et les contribuables de notre région peuvent venir voir du début jusqu'à la fin la progression des œuvres. Particulièrement pour moi, je pense que la proximité des artistes en fait un événement unique et un incontournable. La tenue du symposium pour Ville-Baie-Saint-Paul a un apport économique important et est une vitrine de visibilité indéniable pour notre ville, bien sûr. Et je le rappelle, on a été capitale culturelle en 2007. Je tiens à le souligner, pour notre ville, symposium, musée, en était probablement en grande partie responsable. Donc, si on a eu le titre, merci, c'est particulièrement au musée et au symposium. En terminant, je vous souhaite un excellent symposium et pour ceux qui y viendront, d'excellentes rencontres. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup, M. Duchesne. La collaboration de la Ville est toujours très appréciée. Vous êtes des partenaires précieux. Donc, nous devions avoir parmi nous Mme Julie Lheureux, directrice du département de philanthropie et des relations avec la communauté chez Power Corporation du Canada, notre présentateur officiel. Malheureusement, un empêchement de dernière minute l'a retenue à Montréal. Elle tenait toutefois à ce que je vous lise ces quelques mots. Je me lance. Chers distingués invités et artistes, Madame la Présidente d'honneur, des circonstances hors de notre contrôle nous empêchent d'être présents avec vous ce soir, mais nous sommes heureux de nous associer au 41e Symposium international d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Power Corporation est ravie de renouveler son appui au Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul dans la tenue de cet événement de rayonnement international, vitrine unique qui permet de promouvoir la culture d'ici et d'ailleurs. Chez Power Corporation, nous croyons que l'art et la culture constituent des éléments essentiels de notre tissu social et une source précieuse de créativité, d'inspiration et d'enrichissement dans la vie des gens. Nous croyons plus particulièrement à la capacité de nos artistes à nous inspirer et à nous réconforter, mais aussi à nous défier, à nous sortir de la complaisance et à transformer notre société pour le mieux. C'est donc dans cet esprit que nous avons hâte de découvrir avec vous, au fil des prochaines semaines, les prestations des 13 artistes sélectionnés et leurs réflexions sur la question de l'identité dans le contexte des sociétés actuelles. Bon symposium à tous. C'est quand même drôle de parler pour quelqu'un au « nous », juste vous le dire. C'était un petit peu absurde. Donc, on remercie Power Corporation du Canada. Ils ont très hâte de venir vous visiter. Mais ce n'était pas pour aujourd'hui, ce sera pour une prochaine journée dans le mois. J'inviterai maintenant Mme Anne Beauchemin, directrice artistique de la 41e édition du Symposium, à venir vous présenter les artistes. Préparez-vous, vous devrez monter sur la scène, ainsi que la prochaine programmation du prochain mois. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mme Sullivan, M. Duchesne, Mme Desautels. Avant de commencer, j'aimerais remercier le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul pour avoir soutenu cet événement remarquable qui est le symposium pendant toutes ces années. Le symposium, c'est une occasion unique pour beaucoup de gens d'entrer dans l'intimité d'un atelier d'artiste et de prendre contact avec ce qu'est la création. Alors, c'est vraiment un événement dont il faut faire la promotion, qu'il faut diffuser parce que la création, c'est un atout qui est fondamental pour la vie de l'esprit, la vie du corps, la vie en général. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente cette édition 2019.
depuis le début, il a toujours eu un thème qui est comme qui devient un peu le sujet de conversation qui s'établit entre les artistes et les visiteurs et qui devient une sorte de porte d'entrée pour comprendre la création artistique. Cette année, le thème intitulé Figure, qui est-je, qui est nous, s'intéresse à ce qui nous construit comme, à la fois comme individus et comme collectivité. Alors, 13 artistes vont explorer ces diverses facettes de l'identité, mais vont l'explorer autrement qu'avec les notions auxquelles on associe habituellement l'identité, comme l'identité nationale, l'identité politique, l'identité linguistique. Alors, les artistes vont nous convier cette année à explorer diverses d'autres facettes, des chemins plus intimes, plus connus, moins connus et imaginatifs de ce qu'est cette impression d'être un individu et d'être, de faire partie d'une collectivité. Alors, leurs projets sont basés sur différentes expériences, des événements vécus, des rencontres significatives, des observations, des réflexions sur le monde qui nous entoure, ou encore des situations qui sont imaginées ou qui sont en devenir dans le monde actuel. Alors, on va voir à travers leurs œuvres différents médiums qui vont être exploités. La peinture, qui a été pendant les 20 premières années du symposium le médium de prédilection, elle est très représentée cette année dans plusieurs projets. Il y aura aussi de la photographie, de la vidéo, des installations, des sculptures en argile et des techniques mixtes. Donc, ça va être encore une fois un symposium qui va être très varié dans les formes d'expression. Alors, je vous présente maintenant les artistes qui vont faire cette édition de 2023. Alors, une des premières artistes qui participe, c'est Annalisa Rosa Brown, de Nouvelle-Zélande. C'est la première fois qu'on a une artiste de Nouvelle-Zélande qui participe au symposium. Alors, Annalise va travailler 3 sculptures en argile dans un projet qu'elle a intitulé Golem. Un deuxième artiste, c'est Pascal Caputo, du Québec, qui va... Pascal Caputo, qui va créer une série de portraits en peinture pour un projet intitulé Obscuration. Ensuite, on poursuit avec Noémie Desroches, du Nouveau-Brunswick. Qui va créer, cette année, qui va poursuivre un projet qui est déjà en cours et qui s'appelle « Ce qu'il reste de toi », un projet en peinture. J'inviterai ensuite Bertrand Carrière, du Québec, Bertrand Carrière est l'artiste qui a été choisi pour travailler au domaine Forget dans le pavillon nommé La Glacière. Alors, il va travailler sur un projet photographique intitulé « Comment mesurer la juste distance qui existe entre les êtres, entre les choses qui s'offrent à mon regard tous les jours ». Donc, c'est un projet photographique avec lequel il va faire un livre d'artiste. J'inviterai maintenant Rosalie Gamache, du Québec, qui va travailler un projet en peinture qui va mettre l'accent sur la représentation du nu. Ensuite, Antoine Lortie, du Québec, qui va créer un projet en peinture dans lequel qui va tourner autour de sa jumelle numérique, la princesse Institunia. Je vous parlais tout à l'heure d'imagination, c'est un projet qui est très particulier. J'inviterai maintenant Josiane Lantier de Baie-Saint-Paul. Oui.
Josiane va travailler à un projet pictural participatif. Donc, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à venir la rencontrer pour participer à son projet, ça va être l'occasion d'en parler. Ce projet va aboutir à une mosaïque de portraits fragmentaires qu'elle va faire des gens qui vont venir dans son atelier, qu'elle va rencontrer dans son atelier. Alors, j'inviterai maintenant Ève Provost-Chartrand, des États-Unis. Alors, elle va travailler à un projet multidisciplinaire qui a vraiment différentes facettes et qui va porter sur une réflexion sur le vieillissement. Maintenant, Josiane Roberge, du Québec. Alors, Josiane va travailler à un projet photographique et vidéographique. Alors, il va travailler un projet photographique et vidéographique participatif qui va aboutir aussi à une série de portraits. Donc, la question du « qui ai-je, qui est nous » a incité beaucoup d'artistes à travailler le portrait. Donc, on va avoir différentes façons d'aborder cette représentation du « je ». J'inviterai maintenant Olivier Roberge, du Québec, qui va créer trois installations sous forme de diorama qui vont avoir un sens symbolique en lien avec la nature. Voilà. Maintenant, j'inviterai Chuck Samuels du Québec, qui va travailler à un projet photographique intitulé Other Photography et qui va, à partir du matériel d'archives, qui va transformer par toutes sortes de procédés qu'on va avoir l'occasion de comprendre quand on va entrer dans son atelier. Il y a deux artistes, malheureusement, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Il s'agit de Lucas Morneau, qui est originaire de Terre-Neuve-Labrador, mais qui est établi depuis récemment au Nouveau-Brunswick, et qui va travailler à un projet installatif qui va porter sur le thème d'une ligue de lutte queer fictive. C'est vraiment, ça va être... C'est un artiste qui a une approche très particulière de la broderie, et c'est avec ça qu'il va créer sa ligue de lutte fictive. Alors, il y a aussi l'artiste... Rudy Nzongo Kumbu, qui est de la République démocratique du Congo, qui va réaliser un projet en technique mixte intitulé « Repères effacés » et qui va aborder le passé, le présent et le futur de son peuple. Donc, ces deux artistes vont se joindre à nous dans quelques jours. Et voilà. Alors, c'est ce qui clôt la sélection des artistes du 41e symposium. Alors, je leur souhaite un bon symposium et un bon travail pendant tout ce mois. Et nous, on va avoir le plaisir de voir se développer tous ces projets fantastiques qui vont prendre forme sous nos yeux et qui vont toujours explorer la question du « je » et du « nous » pour notre compréhension plus sensible de ce qu'est cette question. Je vais vous parler maintenant de le symposium, bien sûr, est centré beaucoup autour du travail des artistes, mais il y a aussi beaucoup d'autres activités qui font partie de la programmation. Il y a deux conférences qui vont être présentées. Une conférence qui va être offerte demain par le critique d'art Gilles Daigneault, qui va présenter un hommage en lien avec l'œuvre et la carrière de Madame Sullivan. Donc, ça va être demain à 16h30. Plus tard, dans le 12 août, il va y avoir la conférence de la cinéaste Manon Barbeau, qui est intitulée « Le refus global à la boutique, questions identitaires et cinéma ». Manon Barbeau va être accompagnée d'un cinéaste innu,
qui a travaillé avec le Wapikoni. Le Wapikoni, c'est une organisation qui a beaucoup favorisé le travail en cinéma auprès des jeunes autochtones et qui les a aidés beaucoup à se réhabiliter par des activités de création et de réflexion sur leur communauté. Donc, cette conférence va être présentée le 12 août à 16h30. Il va y avoir à chaque semaine, tous les jeudis, il va y avoir un 5 à 7 avec les artistes. Et à chaque semaine, ça va être parmi les artistes qui participent au symposium, ça va être un groupe différent d'artistes. Alors, tous les jeudis, on va avoir l'occasion d'avoir une conversation informelle, conviviale avec les artistes sur la thématique du symposium, sur leurs projets, sur leur manière de créer, sur toute la réflexion qui a entouré leurs projets. Alors, c'est tous les jeudis de 5 à 7 à partir de la semaine prochaine jusqu'à la fin du symposium. Il va y avoir aussi des projections de films, trois séances de projections de films. La première a lieu le 9 août. Et on va présenter le film d'Elisabeth Isaac, qui est intitulé « Si le temps le permet » et qui est la réflexion d'Elisabeth Isaac sur ses origines inuites. Il va avoir aussi le film, le même soir, il va avoir aussi le film intitulé « Le dernier Natak », qui porte sur le lien entre Richard Desjardins, l'auteur-compositeur Richard Desjardins, et la source d'inspiration qui a été pour lui son Abitibi natale et la ville d'Ormé-Noranda en particulier. Le 16 août, on va présenter le film « Mon cri » qui porte sur la poète Natacha Canapé-Fontaine et sa défense de la langue et de la culture inoue, tous les efforts qu'elle a faits pour faire reconnaître la langue inoue en poésie notamment et la culture inoue en général. Le 23 août, un film va être présenté qui s'intitule « Jongué, carnet nomade » et qui porte sur l'écrivain photographe métis Serge-Emmanuel Jongué. C'est un film qui n'est pas autobiographique, mais qui porte sur la vie de Serge-Emmanuel Jongué, un métis qui a vécu en Europe, au Québec, dans les Caraïbes aussi. Alors, c'est vraiment, on voit dans ce film toute la portée de différentes cultures dans la construction de l'identité d'une personne. Tout le long du symposium aussi, il va y avoir des activités de création qui vont être offertes ou des activités précises aussi. Alors, le 18 août, il y a le lancement du Codidar qui est présenté par le musée ambulant. Le Codidar, c'est des colis dans lesquels sont rassemblés des matériaux de création et un projet créatif qui est basé sur l'œuvre d'artistes. Et cette année, Josiane Nantier, l'artiste du symposium, a collaboré au Codidar lancé par le musée ambulant. Le 19 et 20 août, le musée ambulant va avoir aussi des activités de création ouvertes à tous avec l'artiste Éric Gérezano sur le thème « Migration ». Alors, ça va être sur le parvis du musée le 19 et 20 août. Le 23 et 26 août, il y a l'artiste Kat Laporte qui va présenter une installation participative intitulé « Soul Avatar, selfie ton âme ». Alors, la participation du public est sollicitée pour la mise en forme de cette installation participative qui est multimédia aussi. Donc, ça va être ici dans la grande salle. Il va y avoir plusieurs choses qui vont être installées par Kat Laporte et les visiteurs vont pouvoir participer à la réalisation de cette installation. Tout au long du symposium aussi, il va y avoir des ateliers de création ouverts à tous, présentés ici dans la grande salle et qui sont organisés par le musée. Et à chaque semaine, les ateliers qui vont être présentés vont être différents. Donc, ça va vraiment être l'occasion pour les visiteurs, après avoir visité les ateliers des artistes ou avant, de s'intéresser à créer quelque chose avec du matériel qui va être mis à leur disposition ici. Enfin, pour la clôture du symposium, le 27 août, je vais présenter ici, dans la grande salle,
un peu une sorte de, d'exposé sur les œuvres qui vont avoir été réalisées pendant le symposium. Donc, ça va être l'occasion de voir ce qu'aurait été la contribution des artistes à la thématique qui avait été proposée et toute leur, en fait, tout ce à quoi ils auront abouti dans leur travail. Parce que les artistes, on leur demande un travail, un projet de création, mais entre le moment où on leur demande ce projet de création et toute la durée du symposium pendant lequel ils y travaillent, évidemment, puis les rencontres avec les visiteurs, bien, il arrive toutes sortes de changements. Donc, à la fin du symposium, ce sera l'occasion de jeter un regard sur ce qui aurait été accompli par les artistes en lien avec les visiteurs qui vont avoir contribué par leur conversation, leurs réflexions, leurs suggestions. Alors voilà, c'est ce qui clôt la présentation du 41e symposium de Saint-Paul. Merci. On va les relever de leur fonction. Ils vont avoir assez d'un mois à être devant le public. Là. Vous avez le droit de vous rasseoir à vos places. Donc, merci Anne pour cette présentation. Donc, comme vous pouvez le voir, on va vraiment avoir un mois extrêmement riche en propositions, en rencontres. Donc, on vous invite à revenir très souvent. La plupart d'entre vous, vous êtes de Baie-Saint-Paul. Donc, vous êtes chanceux, vous payez une fois et vous venez le nombre de fois que vous voulez. Donc, venez poser des questions aux artistes. Souvent, il y en avait qui revenaient en disant « Mais hier, l'œuvre était bleue, maintenant elle est rouge. » Mais oui, il y a ça qui arrive. Donc, venez voir les évolutions des œuvres. Ça vaut toujours vraiment la peine. Et puis aussi, Anne a parlé des ateliers de création qu'on va avoir ici dans la grande salle. Mais je veux dire aussi qu'il y a une station ici à ma gauche, juste là, qui est une station pour que vous donniez vos vœux aux artistes. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour leur mois? Qu'est-ce que vous leur souhaitez du côté de la création, du côté de la découverte de Baie-Saint-Paul? Donc, vous avez des petits post-it. Écrivez, vous avez un crayon, on était prêts. Donc, écrivez vos vœux, mettez-les un peu partout, sur tout ce qui est rose, puis voilà, on les lira aux artistes pour voir qu'est-ce que vous avez à leur souhaiter pour leur mois. Avant de laisser la parole à notre présidente d'honneur, c'est sûr que c'est pas pour moi que vous êtes venu ce soir, je le comprends bien. J'ai quand même quelques présentations et remerciements à faire d'abord. Donc, j'aimerais tout d'abord remercier l'équipe du musée qui travaille sur le symposium à l'année. Donc, oui, c'est un événement d'un mois, mais il reste qu'il y a 11 mois derrière de travail avant l'aboutissement de cet événement. Donc, tout d'abord, la merveilleuse Sandra Lavoie, responsable de la programmation et des opérations, qui en est cette année à ses 30 ans au musée. Ça, c'est précieux. On parle donc d'un 30e symposium, donc voilà, c'est très intimidant tout cela. Une chance qu'elle est là. Ensuite, Nathalie Benoît, qui est responsable du financement et des services informatiques. Nous avons aussi Maude Martin-Gagnon, conservatrice à l'éducation et à l'inclusion. Cynthia Jobin, responsable des communications depuis 4 jours. Marie-Ève Simard et Jocelyne Savard qui sont du côté de la boutique. Richard Ferland, chef technicien, et Gilles Tremblay, technicien. Mia et Sophia qui sont des guides médiatrices incroyables du côté du musée, ainsi que nos précieux bénévoles. Nous en avons quelques-uns dans la salle, entre autres mon père, ma mère, mes tantes, mes oncles, mes neveux, mes nièces. C'est une affaire de famille. Ensuite, j'aimerais remercier l'équipe estivale qui s'ajoute à nous pour cette période-ci, pour que le symposium se matérialise. Donc, on a Marie-Laurence Nau, la coordonnatrice du symposium, Sandrine et Laurence qui sont guides animatrices, médiatrices, je me suis trompée de mot, pardon. Andréane Lehudon, une super artiste qui va aussi s'occuper d'animer les activités de création ici, et bien entendu, Anne Beauchemin qui est derrière cette belle mouture du symposium. Ah, et Louis-Philippe, beau petit, à l'accueil. Merveilleux humain, à l'accueil. Maintenant, du côté des partenaires, ça va être long, je vous avertis, mais si on n'avait pas de partenaire, on n'aurait pas de symposium. Alors, on va prendre le temps.
J'aimerais tout d'abord remercier Power Corporation du Canada, notre présentateur officiel. Par la suite, le gouvernement du Québec, Patrimoine Canada, la ville de Saint-Paul, Tourisme Charlevoix, la Fondation Banque Royale du Canada, la MRC de Charlevoix, Desjardins, Hôtel et Spa Le Germain Charlevoix, l'Association des musées canadiens, Go Explore, la Microbrasserie Charlevoix, qui nous abreuve ce soir, Menot, qui nous abreuvera les soirs suivants, Atelier Narval, ainsi que les centres jardins de l'Abbé. Merci de nous permettre de donner vie à cet événement depuis maintenant plus de 40 ans et d'ainsi mettre de l'avant le travail des artistes d'ici et d'ailleurs. Maintenant, je dois vous dire que je suis très intimidée d'avoir Françoise Sullivan à mes côtés. Je veux vous dire que nous avons sorti son œuvre qu'elle avait faite lors du Symposium 2000. Donc, dans le moment, l'œuvre n'est pas très bien éclairée. On s'entend, mais je pense que cette œuvre n'a même pas besoin d'éclairage pour... Oh, elle est phosphorescente en elle-même, elle est absolument incroyable. Artiste polyvalente et singulière, elle fut l'une des membres fondateurs du groupe des automatistes et l'une des signataires du manifeste Refus Global. Elle s'illustre d'abord comme danseuse et chorégraphe, puis se consacre successivement à la sculpture, à l'art conceptuel et à la peinture, pratique qu'elle poursuit depuis lors. Et elle est à tous les jours à son atelier. Sachez ça, les artistes. Elle est à tous les jours à son atelier. En plus des nombreuses expositions individuelles et collectives qui lui ont été consacrées au Canada, aux États-Unis et en Europe, soulignons sa participation à l'exposition online au MoMA, ainsi que plus récemment à Surrealism Beyond Borders au Metropolitan Museum et à la Tate Modern. Au cours de sa carrière, elle s'est méritée les plus prestigieuses distinctions, parmi lesquelles figurent le prix Paul-Émile Bordua et celui du gouverneur général des arts visuels et arts médiatiques. Elle a reçu aussi le titre de membre de l'Ordre du Canada et de chevalier de l'Ordre national du Québec. J'ai pas terminé. Elle a reçu le printemps dernier un doctorat honorifique de l'Université McGill et recevra un second doctorat honorifique le 19 août prochain à l'Université de Montréal. Permettez-moi de vous présenter la plus importante artiste en art visuel canadienne vivante, Madame Françoise Sullivan, à qui je laisse le mot de la fin. Merci. Je suis encore émue par le merveilleux poème que nous avons entendu en premier lieu ce soir. On m'a invitée à venir parce qu'il y a 23 ans, j'ai fait partie des artistes qui sont venus à Baie-Saint-Paul pour le symposium et vous dire quelle expérience merveilleuse ça a été pour moi et je pense pour tous les artistes qui étaient présents parce que il faut rencontrer les autres artistes et échanger avec eux et voir comment qu'est-ce qui fait que l'art se produit et de quelle façon il se produit. Et
J'improvise. Hein? et c'est vrai. Dans l'ouest du pays, à Banff, par exemple, il y a des occasions pour les artistes de divers endroits pour se réunir. Et enfin, on a un endroit ici à Baie-Saint-Paul qui a grandi depuis le temps où je suis venue. Et les échanges que les artistes font sont très, très enrichissants. Et c'est pourquoi il faut le faire, il faut en faire partie. Et je pense que cette année, je vois que vous avez des artistes fort intéressants qui vont se rencontrer. Bravo. C'est vraiment ce que je voulais vous dire. Donc voilà, allez en paix, bon symposium. Nous avons des boissons et soyez heureux. Voilà.